Eh, ah ouais, en classe, je dis tout le temps que j'ai des grosses fesses. Au pire. J'étais seul et père. C'est normal. Qui ça? Joseph. Je vais faire ça. Donc salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, faire un truc. Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle fois je suis avec Fred, salut. Salut. Et aujourd'hui on va faire une petite expérience de mentalisme. Puisque comme les gens l'auront compris, à chaque fois qu'on fait une vidéo ensemble, ils rigolent bien. Et donc on va se retrouver pour une petite expérience de mentalisme. Donc sur ce, c'est parti. Et voilà, donc j'ai avec moi une petite ardoise que je vais vous montrer à tout de suite. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est que d'habitude je fais ça avec trois personnes. Mais là, comme t'es tout seul, et ben on va te faire faire trois choix. Donc, on va commencer, ça va être sur système de prédiction. Tu vas penser, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu vas penser à une couleur, ok? Ok. Donc tu penses à une couleur, celle que tu veux, tu la gardes en tête. En fait, je vous explique hein, vite fait sur l'ardoise. Moi, j'ai trois choix ici de prédiction sur lesquels je vais écrire. Et en dessous, on marquera les véritables réponses de Fred. Voilà, je sais pas si j'étais clair, sinon... Bah, c'est pas grave. Donc, c'est parti. Donc, ici, je vais mettre... Tu t'es... Ici, je vais mettre mon premier choix de prédiction. C'est parti, je pense, de ta couleur. Vous pouvez parler entre vous, attends. Parce que là, je pense... Il est pas facile à lire, ce petit. C'est peut-être un petit con, mais il n'est pas encore sourd, hein, le petit con. J'ai fait mon premier choix. Je vais ouvrir les deux autres pour l'instant. Quelle était ta couleur? On va la marquer ici juste en dessous. Moi je fais ma prédiction juste sur la case bleue et on va marquer en dessous ta réponse. Quelle est ta réponse? Le rose. Rose, très bien, je marque. Rose juste ici. Et vous voyez que j'ai bien marqué hop, rose, c'est bon. Nickel, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais demander de penser à une ville. Ok. Ou non, on va faire plus simple, pense à un chiffre. Alors prends, on va dire entre 0 et 1 milliard. Prends pas 100 000 milliards de millions de... Ok. Et le milliard de mille, ça va. Hein. Donc, cette blague. Pardon, vraiment, je suis désolé. C'est la dernière vidéo que je ferai avec Presidil. Donc, c'est nickel, donc pense à un chiffre, celui que tu veux, c'est bon, tu l'as en tête. Je vais prendre un petit chiffre comme un très beau. Ok. J'ai donc fait ma deuxième prédiction. Je vais donc te demander de me dire quel est le chiffre que tu as choisi pour le dire à tout le monde. 2222. 2222. C'est bon? Heureusement que j'ai pas dit 22222. Oui, c'est bien. Et pour le dernier, on va essayer de faire quelque chose de plus fou. C'est que... Où est-ce qu'il y a mon jeu de cartes? Merde, il est où? J'ai paumé mon jeu de cartes. Je sais pas où il est, bon c'est pas grave, je vais le retrouver. Je vais essayer de prédire une carte que je vais te faire choisir dans quelques instants avant que tu la choisisses. Parce que si tu la choisis d'abord, on peut dire ouais, il regarde la carte ou il lui a dit. Donc je vais essayer de prédire la carte avant que tu la choisisses, ok? Donc. Non mais là tu choisis pas de carte, je vais t'en faire choisir une après. Il y a du mal à comprendre, mais bon, faut l'excuser. Ok, nickel. Je pense que c'est bon. Donc voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon jeu de cartes, il est juste ici, vous inquiétez pas, j'ai rien changé, je vous montre. Pour l'instant, il y a mes trois prédictions sur le haut, et juste devant, il y a le rose et le 2222. J'espère que ce ne sera pas inversé sur la caméra, parce qu'on dirait que c'est inversé. Normalement, non. Donc il reste une case qui n'est pas remplie, c'est la carte que je vais te faire choisir dans quelques instants, parmi ce jeu de cartes. Avec toutes les cartes différentes, je peux témoigner. Je peux vous montrer. Voilà, nickel.
On va le remélanger un petit peu. Et ce qu'on va faire dans quelques instants, c'est que parmi toutes ces cartes, je vais les passer par... Enfin, je vais passer les cartes, tu me diras stop quand tu veux. Vas-y, dis-moi stop. Stop. Stop ici, tiens, prends ta carte. Tu peux la montrer à la caméra. Enfin, de toute façon, tu peux me la montrer aussi, pourquoi? Puisque moi, j'ai déjà fait la prédiction, donc on est tombé... Merde. Bravo Fred, hein. Donc regardez, on est tombé sur le Dunker. Donc Dunker, c'est ta carte. Et ouais. Donc, on va la rajouter juste ici. Deux. Deux. T'aurais pu faire un cœur, ben voilà. Un beau cœur. Ça s'appelle pas Fred, en fait. Donc regardez, on a ici en bas les trois choix. Donc Rose, 2222 et le 2 de cœur. Et regardez, je vois ce que... Voilà. Regardez, si je déplie la première case, j'avais marqué sur la première case, j'avais effectivement marqué Rose. Vous pouvez voir. La deuxième prédiction, il avait choisi 2222, un chiffre bon, pas très commun, mais qui se ressemble un peu. Et j'avais effectivement marqué 2222. Et enfin, j'avais prédit une carte qu'il n'avait pas encore choisie. Et pourtant, il a choisi le 2 de cœur et j'avais bien prédit le 2 de cœur. Je voulais découvrir ça. Je peux vérifier aussi. Voilà pour ce petit tour de magie. Bon voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Fred, elle sera dans la description. C'est pas vrai. Et n'oubliez pas d'aller voir le petit Instagram qui est dans la description. Et sur ce, on se dit à dimanche 18h30. Ciao tout le monde. C'est Tony ce gros con.